fidèles auditeurs qui se font appeler les têtes de brosse, j'ai jamais trop compris pourquoi, se souviennent de ma mise en garde contre le système de surveillance anti-crime, le Big Brother, que la ville voulait mettre en place. Eh bien, il ne marche pas. Vous me demandez pourquoi? Parce qu'un homme plein de bon sens a réalisé que c'était une atteinte aux libertés civiques? Non! Parce que ces incompétents de bureaucrates ont bâti un réseau qui plante plus qu'un jardinier hyperactif, plus instable qu'un poivreau dans une auto-tamponneuse. Pas de bol pour les dollars des contribuables. Ils ont tout balancé par la fenêtre. Bienvenue dans le monde réel, les enfants. C'est notre seule version du Happy End. Agent, répondez. On a un 10-10, vente de stupéfiants. Besoin d'effectifs dans le Garman District. Le capitaine Watanabe a fini par me donner son numéro en signe de confiance. Et risque gros. Si on découvre qu'elle m'aide, elle perdra son poste. Ça m'étonnerait que ces types échangent des cartes de baseball. T'achètes ou pas? Pardon! Ça passe pour un fils qui va vous tuer! Chopez la reggae! Et bonjour, vous avez une ordonnance pour tout ça? C'est toujours un plaisir de faire capoter une vente de drogue. Un texto à Yuri et les policiers arrivent. Signale un cambriolage. Incident en cours vers Times Square. Observez la prudence. Un bon vieux vol avec effraction! J'adore les classiques. Tu veux rester? Tu peux. Non, je crois que j'ai besoin de changer d'air. Bon sang, je savais qu'il touchait trop de bruit! Vous avez essayé de frapper? On va tuer ça! Hé! En plein dedans! Je peux pas toucher d'ici!
Rancard, pas moi. Ça, ça va faire mal. Arrête avec tes trucs. Vous voyez le bon côté? Si je vous avais laissé entrer, votre peine serait beaucoup plus longue. Unité disponible, on nous a signalé un enlèvement. Agent près de Devil's Shelf, rendez-vous sur place. Cet article mettant sur mon dos l'assassinat de flics par Electro a été la goutte d'eau. Je pouvais plus valider les mensonges de Jameson en lui fournissant des photos. Ce morceau du premier uniforme de Shocker m'a permis de comprendre comment me protéger de ses attaques. Sauf qu'il faut toujours qu'ils améliorent leur matos. C'est un hold-up. C'est parti! Peterman! Les frappes se prennent pour le nouveau Wilson Fisk. Leur seul point commun, c'est la prison. Merci, Spider-Man. J'étais en train de les mener en patrouille. Potentielle vente de stupéfiants. Besoin d'effectifs à Central Park. Répondez. Les criminels et la drogue. Aussi inséparables que le beurre et la confiture. Ça confisque pas vous tuer. Chopez l'araignée. Oh, on dirait des petits apprentis Fisk. Comment il peut tout se battre?
Minus. Moi, ce qui me fait planer, c'est d'empêcher les criminels de dealer. Un texto à Yuri et les policiers arrivent. Les éditeurs seraient prêts à tout. Appel à toutes les unités. 10-34. Attention, attaque en cours. Besoin d'agents à Central Park. Terminé. J'ai battu Scatcher juste après avoir acquis mes pouvoirs. J'avais jamais eu autant d'argent avant. Ni même depuis, maintenant que j'y pense. Potentielle vente de stupéfiants. MJ a écrit cet article sur les manifestations étudiantes pour le journal de l'école. À l'époque, déjà, c'était une sacrée plume. Le trafic de drogue s'est intensifié depuis que Fisk est plus là. Je peux pas laisser faire ça. Spider-Man, j'allais pas vraiment acheter. Dites-moi, vous comptez déclarer ça aux impôts, n'est pas? Tu vas mourir. Je vais les perdre! Il faut que je me dépêche! Trouve des amortisseurs un peu raides! A plus! Ok, vous les pour faire vite! Ah ouais, il est KO! Eh, ça c'est... Spider-Man.
C'est toujours un plaisir de faire capoter une vente de drogue. Je vous ai appelé un taxi. Vous verrez, c'est celui avec les lumières bleues et rouges qui clignotent. Non, mais sérieux, je veux la même. Thanks. I'm gonna tell everybody you're for real. Spider-Man, tu déchires, Spider-Man. Lâche pas l'affaire. I'm gonna tell everybody you're for real. Attention à toutes les unités, on nous a signalé un cambriolage. Agent demandé à Portside. Terminé. Vous ressemblez pas à des serruriers. Ça, ça va faire mal. Vous irez tous en prison. Et je doute que vous soyez meilleurs en évasion qu'en effraction. Unité disponible, on nous a signalé un enlèvement. Agent près de Devil's Shelf, rendez-vous sur place. Eh ben, la moitié des tours de surveillance sont déjà réactivés. Quand l'inspecteur Spider est sur le coup, quels que soient les obstacles, résultat garanti. Non. Elle refusait de l'admettre, mais la capitaine commençait à apprécier l'inspecteur Spider. Sa manière désinvolte de bousculer l'ordre établi lui apportait une bouffée d'air frais, et elle finirait par s'y faire. Possible signature. Bougez pas, je vais vous sortir de là. Oh, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Merci. Attention, les revoilà. Oh non, j'ai jamais été aussi près de Spider-Man. Hé, Toka, on n'approche pas de la bagnole, je vais pleurer. La vie, Spider-Man. Merci. If I ever see Jameson, I'm giving him an air. Les enfants, voilà pourquoi il ne faut pas jouer dans les coffres de voiture.
individus sont armés. Prudence avisée. Rendez-vous dans le quartier de Longacre. J'ai récupéré des pièces bien cool sur ce portable. Avec un vrai budget, ça changerait tout. Et j'aurais pas à fouiller les poubelles. Les dodos. Tu sais, j'adore étaler des petites frappes. Accident, ça. Ça a l'air grave. Quelqu'un est coincé dans cette voiture. Chaos, mais des personnes sont encore en danger. Merci. I'm gonna tell everybody you're good. Je suis là. Restez calme. Il y a une personne dans cette voiture, coincée par des débris. C'est bon, il y a personne d'autre. Content d'avoir été là. Vous m'avez sauvé la vie. Merci. C'est fini là.
C'est marrant, mon vertige n'a pas disparu quand j'ai acquis mes pouvoirs. Pour ça, j'ai dû attendre de monter au sommet de l'Empire State Building. Un peu plus de mes grands fans. Yori, je suis sur l'un des chantiers de Fisk. Il y a pas mal de monde ici, mais aucun ouvrier du bâtiment a priori. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font? Je vais essayer de voir ça. Un SMS du doc. On dirait qu'il a mis un concept de Speeder Gadget en pièce jointe. Il arrête jamais. Pourrait bien marcher. Alors, j'arrive pas à lire. J'aurais dû prendre mes lunettes. Parfait! Le doc serait fier. J'arrive pas à croire que Spider-Man ait fini par gagner. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Je sais. Mais je me souviens quand c'est le gamin. Le boss me fichait régulièrement une raclée. Je pensais même que le boss l'avait tué une fois. Parle pas de malheur. Il y a un plan avec une armée de Spider-Man. Vous êtes chez vous ici. Je vais vous donner la règle numéro 1. Vous n'avez pas accès. C'est Spider-Man en ligne de mire. Merde! Portez-le à rester au sol! Sale déchanteux! Descends un peu! Je vais t'apprendre à respect. T'es trop loin. C'est Spider-Man. Ok, on est prêt à faire face. Non. Non, en voilà d'autres. Défoncez-le. Spider-Man, on a finalement arrêté 4 trafiquants d'armes dans un rayon de 3 pâtés de maison autour du chantier.
du trafic d'armes. Je vais voir ce que je peux faire pour bloquer l'approvisionnement. Ils ont appelé leurs copains. Super, il y en a d'autres. Bienvenue à la fête. Laissez vos chaussures à la porte, sauf si vous n'avez pas de chaussettes. Mais dans ce cas, c'est quoi votre problème? Descends et bats-toi comme un homme. Tu vas la fermer définitivement. L'endroit est condamné, capitaine. Couvert de toile, pour être précis. Et quelqu'un a enfin signalé des coups de feu. J'ai donc pu envoyer des agents. Beau travail. Fisk a d'autres chantiers en ville. Je parie que ce sont aussi des façades. Ouvrez l'œil et faites-moi signe si vous voyez quoi que ce soit de suspect.
Si je veux trouver tous les chantiers de Fisk, il n'y a qu'une chose à faire. Je dois augmenter la précision de mon logiciel de navigation. Je devrais y arriver, en appliquant un traitement 3D à des photos de bâtiments et de monuments. Et je sais par lequel commencer. De visiteurs quand j'ai postulé chez Oscorp. Le salaire aura été sympa, mais le docteur Octavius me permet de vraiment faire avancer le monde. Peter, bonne nouvelle. Je crois que j'ai arrondi les angles avec le comité de subvention. Si l'essayage du première classe Texidor se passe bien demain, ça devrait aller. C'est fantastique, Doc. Les affaires reprennent. Provisoirement, tant que notre petit incident ne parvient pas aux oreilles du maire. Tu seras à l'essayage demain? Absolument. Ça va être génial. On va changer le monde, Doc. Si on ne déclenche pas le cataclysme, c'est déjà formidable. À demain, Peter. On va marquer les annales. Les unités, vol en cours. Les individus sont armés. Agent disponible, rendez-vous dans le secteur de Bryant. Terminé. It's all good, Spidey. Don't worry about it. De ne pas servir et d'expulser les criminels. C'est écrit juste là. Futé pour braquer une boutique dans la ville que Spider-Man protège. Avant, je collais les bandits dans une toile et je laissais un message à la police. Maintenant, c'est plus que des textos, sans personnalité. Depuis que les tours de la police et leur service, la criminalité a grimpé en flèche. Peut-être faire quelque chose. Je suis sur le coup. Agents, on nous signale une vente de drogue en cours. Convergez vers Grand Central, terminé. Où couche panier? Oh! On dirait des petits apprentis Fisk. Trop mignon.
Moi, ce qui me fait planer, c'est d'empêcher les criminels de dealer. Un peu de patience, les gars, le panier à salade va arriver avec tout le confort. J'ai jamais pu donner à ce tracer une portée suffisante. Mais j'ai adapté la technologie pour mes pièges, ce qui s'avère super pratique. Ça, c'est quand on cherchait un appart avec MJ pour vivre ensemble. Et puis, on s'est séparés. Je peux vraiment être à côté de la plaque parfois. Bon vieil Empire State Building. Ah, j'adore cette ville. Allez, une petite photo. Ça fera l'affaire. Ma carte a dû se recalibrer. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de photo. J'avais oublié à quel point ça me plaisait. Je devrais continuer à chercher d'autres monuments à l'occasion. Monsieur Lee ? Allô ? Peter, c'est Martin Lee. Je voulais te dire qu'on avait encore besoin de temps pour préparer la fête de mai. En fait, le gâteau est toujours coincé dans les embouteillages. Oh, d'accord. Vous avez qu'à me dire quand vous êtes prêt et je passerai. Excellent. À bientôt, alors. Ok, j'ai un peu de temps libre. Voyons ce qui se passe en ville. C'est pour ça que Jonah me payait une fortune. Trop bien. Thank you.
Salut, Monsieur Lee. Salut, Peter. Tout est prêt pour la fête. On n'attend plus que toi. Cool. Je me mets en route. Impeccable.